Bonjour, Ibrahim Fliyeh, votre coach et spécialiste running. Aujourd'hui, je suis à côté, vous voyez, du carrousel du Louvre, à Paris toujours. Je dis bravo à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne ces dernières semaines. Vous étiez nombreux. Continuez à vous abonner, puisque cette chaîne, je vous parlerai comment faut-il développer l'athlétisme, le running, que ce soit en France, à Djibouti et partout dans le monde, puisque j'ai des amis qui sont dans les Maghreb, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, qui sont en Angleterre et un peu partout dans le monde. C'est pour qu'on puisse avoir une relation continue, qu'on puisse parler de notre sport préféré qui est l'athlétisme. C'est un sport universel. C'est le premier sport aux Jeux Olympiques, comme vous le savez très bien. Et je vous dis, continuez à vous abonner à cette chaîne. Ma plateforme préférée, c'est YouTube. Abonnez à cette chaîne sur YouTube. Mettez votre commentaire sur cette chaîne sur YouTube. Likez, partagez avec vos amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois erreurs majeures que font tous les coureurs et comment éviter ces erreurs. L'erreur numéro 1, c'est la planification. Dans un programme d'entraînement d'un athlète, il faut planifier ses objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire planifier ses objectifs? C'est-à-dire prendre par exemple l'objectif, si l'exemple d'un coureur de 10 km, il a, si sa préparation c'est un durée minimum de 2 mois. Le marathonien c'est entre 3 et 4 mois. Donc il faut savoir dès le départ faire une planification de l'objectif, c'est-à-dire il faut découper son programme d'entraînement en trois parties. C'est pareil pour 10 km, c'est pareil pour le marathon. La première partie, c'est la préparation générale du coureur. La deuxième partie, c'est la préparation spécifique du coureur. Préparation générale, c'est un minimum de 4 semaines, quelle que soit la distance. La préparation spécifique, la deuxième partie, c'est pour le marathon, c'est 6 semaines. Les autres, c'est 3 semaines sur 10 km, 4 semaines sur semi-marathon. Et le relâchement, la troisième partie, c'est-à-dire 1 semaine pour le 10 km, le marathon, semi-marathon, et 2 semaines sur le marathon. Donc, du coup, qui ont un business plan, ils peuvent faire des micro-cycles, c'est-à-dire pour les coureurs qui n'ont pas beaucoup de temps, ils vont faire des micro-cycles, c'est des cycles très courts. Et pour les gens qui ont plus de temps, ils vont faire un cycle plus long. Macro-cycle qu'on appelle, par exemple maintenant à cause de ces pandémies, pas des compétitions partout dans le monde, ou c'est réservé uniquement pour les athlètes qui sont dans l'équipe de France ou dans des équipes internationales. Bientôt il y aura les championnats d'Europe par exemple. Donc comme ils n'ont pas des compétitions, ils peuvent faire un cycle beaucoup plus longtemps dans la planification sur l'horaire numéro 1. Et il sera découpé en plusieurs parties, comme je vous dis. L'erreur numéro 2, c'est la progressivité du programme d'entraînement. Et je vous conseillerais d'éviter ces deuxièmes erreurs sur la progressivité du programme d'entraînement. Conseil numéro 1, augmenter progressivement le nombre d'entraînements. Qu'est-ce que ça veut dire augmenter le nombre? Supposons que ces coureurs qui s'entraînent 6 séances, quand ils sont en pleine forme, quand il reprend les entraînements, quelle que soit sa situation, il ne va pas commencer les 6 entraînements, mais il va faire 2 séances. Exemple, c'est 2 séances et il va les monter progressivement pour arriver à 6. C'est une progression. Donc il faut monter le nombre 2, 3, 4 pour arriver 6 à la fin de son programme d'entraînement. Les deuxièmes conseils que je vais donner, il faut augmenter progressivement. Par exemple, la préparation physique générale, le PPG, c'est ce qu'on appelle, en fonction de la capacité du coureur. La préparation physique générale du coureur dépend du niveau du coureur et dépend de ses capacités du coureur. Donc, pour la préparation physique générale, le nombre de séances, si vous faites une séance, il faut le faire la séance, mais il faut le faire le plus léger possible et le mettre, il faut l'espacer en temps. Donc, troisième conseil que je vais dire, c'est la progressivité, c'est augmenter l'intensité des séances semaine après semaine,
toujours en fonction du niveau des coureurs. Un coureur du niveau régional, il ne peut pas mettre en intensité pareil qu'un coureur niveau national, voire niveau supérieur. Donc, l'intensité, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on prend un coureur qui commence à répandre ses séances d'entraînement, il ne va pas faire 10 fois 1000, s'il était capable de le faire 10 fois 1000 au départ. Il va faire une séance, par exemple, de 10 fois 1 minute. On farte là qu'on attire. Donc, c'est la séance la plus légère qu'il faisait et qui va commencer à débiter. Et non pas la séance la plus haute et les faire augmenter petit à petit. Quatrième conseil, intégrer dans son programme d'entraînement des jours de repos. Donc vous êtes obligé de, quand vous faites des séances, par exemple quand vous faites 3 séances, eh ben, ne pas les faire comme, même si vous avez un repos samedi dimanche en France, il ne faut pas faire tes 3 séances et samedi dimanche et lundi. Non, il faut faire dimanche et l'autre séance, la plus grosse peut-être dimanche, et les autres séances le faire mercredi et vendredi. Donc c'est ces espaces là qui vous permettraient d'avoir un repos entre toutes séances de qualité. Soit tu fais un petit footing léger, soit tu mets une journée de repos. Donc c'est ça. Quatrième conseil pour la progressivité de l'entraînement, l'erreur 2 à éviter, c'est augmenter le nombre de kilométrages du coureur. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez l'habitude de faire par exemple 100 km par semaine ou 150 km par semaine, même 50 km par semaine, ça c'est quand vous étiez en forme que vous faisiez 50, 100, 150 km. Mais quand vous reprenez, quel que soit le niveau que vous êtes, et bien toujours il faut diviser par 3 le kilométrage supérieur que vous faisiez. L'exemple d'un coureur qui fait 100, et bien il va commencer 30 km par semaine. 30 km par semaine. Et les faire monter semaine après semaine, semaine après semaine, en vérifiant, c'est-à-dire l'erreur numéro 1, c'était la planification. En planifiant, c'est-à-dire même en augmentant, il faut planifier, qui est l'erreur numéro 1. Et l'erreur numéro 2, c'est la progressivité. Il faut mettre en progression le nombre de kilomètres. Je prends un exemple d'un coureur, par exemple, qui fait, par exemple, je dis, qui s'entraîne, par exemple, le footing, le plus léger, par exemple, 40 à 1 heure. Des footings. Il faut regarder deux facteurs. La facteur d'intensité, la première fois, tu dois faire ton footing d'une heure, mais tu le fais par exemple 60 à 65% de ta fréquence cardiaque. Et dans la semaine prochaine, tu gardes les mêmes footings en augmentant l'intensité. Pas en augmentant en même temps le nombre de kilomètres, mais en augmentant l'intensité, tu gardes ton inner. Et tu le fais 70 à 80% de ta fréquence cardiaque. Là, l'air que tu courais, tu l'as gardé. Le kilométrage va augmenter parce que tu vas courir plus vite, mais tu ne vas pas augmenter le temps. Et petit à petit, après, tu vas rester toujours l'air, mais tu vas monter toujours en intensité. Ça, ce sont les séances de inner. Mais si tu prends l'exemple d'un coureur de 10 km, voilà, tu peux faire, par exemple, ton sortie longue, 1h10, et bien la semaine d'après, tu n'augmentes pas l'intensité, mais là tu vas augmenter la durée, c'est-à-dire 1h10, 1h15, 5 minutes, 1h20 pour 10 km. Et pour le marathon, on sait pour les semi-marathons, on sait qu'il monte sorti, ça commence 1h20 jusqu'à 1h50. Et chaque semaine, tu vas ajouter 5, 10 minutes, comme ça, petite la progressivité. Le marathon, longue sortie, ça commence 1h30. Et à la fin de sa préparation du marathon, c'est 2h15, 2h à 2h15. Donc, il faut respecter l'augmentation, la progressivité, tant en quantité que qu'en qualité. Voilà. Maintenant, la troisième erreur, c'est quoi? La troisième erreur, malheureusement, c'est l'erreur la plus fatale que ça peut arriver à un coureur. C'est la blessure. Donc, il faut une prévention de la blessure, c'est-à-dire il faut, c'est la rentise du coureur, la blessure, donc il faut éviter de se blesser et il faut prendre les deux erreurs premières, c'est-à-dire la planification importante, la deuxième, la progressivité, et la troisième, ça c'est pour éviter la blessure. Il faut placer la récupération au cœur de l'entraînement du coureur. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore pour la prévention? Il faut avoir de la souplesse, c'est-à-dire il faut faire des étirements après chacun de vos séances. Il faut faire des préparations physiques générales du coureur,
Il faut renforcer vos muscles et il faut travailler l'équilibre, votre équilibre de votre corps. Après, ça rentrera sûrement la nutrition, l'hydratation, tout ça, on peut parler dans un autre capsule. Mais maintenant, ce que je vous dis, les trois erreurs fatales, si je vous répète, d'un coureur, c'est la planification, c'est la base d'un entraînement, d'un athlète, c'est la base d'un entraîneur. Même s'il y a des entraîneurs qui m'écoutent aujourd'hui, eh ben, il faut planifier les entraînements de vos coureurs. Erreur numéro 1 à éviter, en résumé. Erreur numéro 2, c'est la progressivité de vos séances, qu'elles soient en quantité, en qualité. Et la troisième erreur, c'est la prévention des blessures. Si vous avez la moindre bobo, si vous avez la moindre douleur, il faut faire attention. C'est peut-être un petit footing léger, mais animer une séance qui devrait être une séance des qualités. Donc, si c'était un footing, bah, il faut bien placer un rythme. Donc, les amis, je vous dis bon entraînement. Prochaine fois, une autre capsule. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous à cette chaîne pour que vous recevez la prochaine fois toutes les vidéos que je vais les publier. À bientôt. Bye bye.